Ok, cette flotte-là, direct, tu vas devant Norwich, tout de suite. Vous m'avez vengé. Oui. Allez hop, Ah, du coup, une pause Masse, notre sauveur. Oula, on est mal barré. Notre Masse, qui êtes aux cieux, priez pour nous, pauvres pêcheurs. Oh, si, si. Je peux la rebaser à Narvik, Va à remarque. Narvik, va à Narvik. Tu vas toutes tes troupes, tout ce qu'il y a à côté de Reykjavik, Narvik. Je m'en occupe de mes transports, parce qu'il y a des divisions canadiennes là-bas que je vais rapatrier pour l'Angleterre. Bon, on va surveiller le temps, donc c'est très bien. Il gèle pile poil à la frontière. C'est excellent. C'est ce qu'il faut. Ah, bah c'est comme le nuage de Tchernobyl, hein, ça s'arrête pile poil à la frontière. Je connais cette légende. Et non, c'est vrai, voyons, c'est un état de gauche qui l'a dit. Alors, hop, lui, il va aller devant un Norfolk et lui devant Norfolk, l'amiral Phillips, téléviseur. Ah, très bien. Est-ce que toi, tu as l'amiral Sony, Mas-Mas? Je ne répondrai pas, c'est trop bas. Oh, Je bah peux pas. quoi, pourtant, justement, ça ne peut pas être bas puisque c'est du 4K. Oh putain. Donc, je... On l'aime bien, mais on sait pas Est-ce pourquoi. vraiment un allié? Allez, on Bah, lance. actuellement, non, mais bon. Ok, mes flottes arrivent bientôt. Ils sont dans le channel. Mes bateaux sont dans le channel. Mes porte-avions sont à Norwich à 11h. Oh putain, je me pisse tellement dessus là! Oh là là! En attente de Ok. cette. De j'espère cette opération réussite. C'est Ok, super, c'est tous réussite. mes porte-avions sont arrivés devant Norwich dans 3 heures. Ok, tous mes bateaux sont devant Norwich, il manque plus qu'à attendre des transports. Oh putain. J'ai 5 divisions qui vont se transporter et j'en ai 17 autres qui arrivent, qui sont un peu plus loin. Oh, j'ai une flotte légère japonaise qui est en train de passer à la trappe. Oui, c'est bien. Il coule Faites tout quoi? ça. GG. Alors, un UCL et TP, tout deux ça, c'est pas TP, mal. UCL, DD. Alors, là, non, normalement, il peut pas débarquer de division à Norwich. Hein. Il voyait pas du tout mon attaque. Ah, la CGT vient de libérer l'Orient, c'est beau. J'ai des bébés qui vont. Les bébés vont garder le channel, les vieux bébés français. J'ai encore plus de navires qui arrivent, je vais les mettre devant les ports allemands, les navires américains. Il y a de plus en plus de divisions à ma frontière, donc là clairement pour l'instant c'est beaucoup d'infanterie, hein. Il est pas présent Oh, en il a même mis une di Oh, il y a une division à Norwich, j'y crois pas. Bon, je tente le débarquement quand même. Elle doit pas avoir d'orgue. temps. Au moins ce sera par tranchée. Allez, on va débarquer. Attaque amphibie à Norwich. Il va envoyer tous ses navaux et tout, c'est logique. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Ça fait chier qu'il y ait une division qui soit arrivée. Comme Liam l'avait fait au deuxième test. Allez, Norwich, 6 divisions. Ils comprennent le. Ils sont stressés là, ils sont stressés. C'est Allez, des. avant que tu parles, et moi je suis super stressé à l'idée que ça passe. Là, si tu peux reprendre l'Angleterre, ça serait super bon, quoi. Là, ça leur pèterait encore plus les couilles. The Wash, là, il a de pauvres navires que je suis en train de défoncer à coups de porte-avions. Ah là, ils sont là, mes 4 porte-avions. Le formidable Victoire, l'Illustre et le Ark Royal. Voyons voir l'état du temps. Bon, très bien. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à Norwich, il fait beau. J'ai pété des TP allemands là. Il y a des trans Ils étaient chargés? Non, non, des TP juste pour essayer d'arrêter le massacre. Ah, il ramène du plus de TP encore. T'es à combien en pourcentage? 96. Merde. 96! Oh là là! Je suis à 95,9 là. Ah, faudrait pas qu'ils arrivent à ramener de la dîme en catastrophe. Ah non, ça serait fini là. Je devrais me barrer. Oh putain, la masse! 33 divisions qui viennent d'arriver à Chelm. Oh, ça va faire mal au cul, ça. Tant qu'elles sont là-bas. Allez, Ouais. je suis à 96,5. Allez, allez, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Basse passe, fais lever les pom-pom girls des terrains de basket. Ça y est, elles sont là. 99, 4, allez, j'ai même 23, 99,2. Les motos débarquent. Allez, 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 allez! Allez, c'est passé, ça débarque. Ah oui! Basse passe, je veux. Oui, c'est C'est bon, bon, débarquement! Oh, GG Viper. Ah, Allez, ça GG! passe. Allez, allez, vas-y, 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 roule, 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 roule! Scorpion, fais-nous rêver! Allez, c'est parti. Comme Donc à ils la campagne de débarquent. France. Ils tentent de m'attaquer à Norwich. Ouais. L'Amérique. Ouais, pendant ce temps-là, au Kremlin, tout le monde est en train de supporter l'attaque anglaise. Allez, l'armée anglaise est arrivée. Les Parfait. motos sont arrivées. Combien de divisions, là, en tout, à Norwich? J'en ai ramené en tout 27. Oh, alors là, s'ils arrivent à faire quelque chose, là, ils sont foutus. Ça me paraît. Je Aller, ça veux me paraît... bien des jetés de ravitaillement dès que vous pouvez. Ah, Je t'en ai envoyé déjà. je t'envoie ça Nickel, tout de je vois suite. ça. Ok, les premières divisions motorisées arrivent à la frontière en J'ai Perse. 31 escadrilles aériennes qui arrivent. Vas-y, vas-y, tape les avions français. Vas-y avec tes navaux qui n'ont pas d'orgue. London est sous attaque. Allez, allez, prenez-moi Londres, c'est. Putain, mais. Bougez-vous le cul là, j'ai 17 divisions qui tapent à Londres. Évidemment, le commandant, c'est un N'hésite putain de pas, et Norvégien n'hésitez pourri. pas, éventuellement, à envoyer des tacs, si vous en avez. Non, non, mais mes tacs là pour l'instant ils sont trop occupés. Ce que tu vas faire avec les. On va faire directement avec les Mexicains, c'est qu'on va débarquer
à Douvres pour les emmerder. Allez, 23 divs sur Londres, là, il faut plus qu'il ait d'orgue. Puis il a des divisions 1921 à Londres, j'ai honte. Ok, c'est bon. À Douvres, j'ai le renfort qui arrive. Les Americanos. Americanos! T'avais même des tags japonais, t'es pour dire le truc, toi. Voilà, j'ai ramené du mexicain, les cavaleries mexicaines. Allez, allez, bah! Ils arrivent avec les ukulélés, les trompettes et les violons. Là. Voilà, victoire à Douvres, il a arrêté. Et j'attaque avec les avec les cavaliers mexicains. Les raiders. Ça, il se barre de Londres. Il a fait un support défense à Londres. Ouais, mais d'ailleurs, si tu veux prendre Oxford ou Portsmouth, vas-y. Hein. Oui, j'ai des motos qui arrivent là-bas. Et de l'infanterie. Ouais, parce que ça, si tu prends ça, tu lui wipes tout. C'est quoi comme division qui garde Londres? C'est de la merde. C'est c'est de la division de 26, une connerie comme ça. Ouais, mais c'est pas grave, c'est de l'allemand. Ouais, c'est. Alors c'est bon. Je vais ramener des Brésiliens. Non, on a déjà assez de Sud-Américains comme ça. Et ne t'inquiète pas, leur prière te protège des balles, voyons. Oui, bien sûr. Seigneur, protégez-nous des balles. La vipère se renaît de ses cendres. Tel un phénix. Oh putain, les Mexicains qui mettent une branlée aux infanteries allemandes de 1926. Parce que le Mexicain est en full 39. Portsmouth, ça passe. Il me faut juste Sheffield et puis je peux l'annexer après. Hein. Tout à fait. Donc je vais rusher. Régale-toi de sa chair. Déjà je vais prendre Londres. Oh, ok, bah, j'ai pris Oxford. Bah, quand tu dis ça, tu sais qu'en plus quand elle est attachée devant toi et que t'es là, régale-toi de sa chair. Est-ce que les Mexicains seront les premiers à entrer dans Londres sur non, des dos de, tu sais, à dos, ah, Londres est tombé. À dos de petits ânes, tu sais, avec des petits paniers sur les côtés. C'est le gros cliché quoi. Ouais. Star, tu me dégoûtes. Mais bien sûr, bien sûr. Je suis en train de perdre les TP, les porte-avions. Ça me fait chier quand même, j'ai envie d'en garder. Ça fait chier, mais bon, ouais. Qu'est-ce que tu préfères, 4 porte-avions et un pays, ou alors pas de pays et plein de porte-avions? Présenté comme une star l'a fait, je crois que le choix est vite vu. C'est vrai. Voilà, il y a ce genre de choses aussi qu'il faut prendre en considération. Il hein. y a de la SS qui a débarqué au nord. J'ai des divisions ICS avec Rundstedt en tête dedans. Non, c'est là, pas grave, pas... les SS, si tu les gardes à distance et que tu les mets, que tu les forces à la défense, tu vas les ouvrir. Et Maspas, très important, la vipère vient de repasser la barre au-dessus des 10 pp. Là, ça rigole plus. Vous avez fini de vous moquer. C'est encourageant quand même. Hein. Vous savez que j'ai pensé toute la semaine à mon plan d'invasion d'Angleterre. J'ai pas arrêté une fois. Toutes les nuits, je m'endormais et je me réfléchissais. Alors, si je passe par là, si je fais ça... Et la révélation, ça a été le lundi soir quand il s'est couché et qu'il a vu un drapeau allemand sur le palais de Buckingham. Il était genre... Je me vengerai. Tu as osé t'attaquer à Robert, Roger, Raoul et André. Eh bien, je vais les venger. Bah, surtout qu'en plus, là, Raoul a décidé de claquer sa bite hein, aujourd'hui. Raoul qui a débarqué à Norwich. Ah, parfait. Portsmouth vient de tomber. Seulement je pouvais. T'as perdu le Hawkins, c'est... Débarquement à Plymouth. Oh non. Les nègres à Détroit. La raciale riote. Ah oui, exact. Une réaction. Et parce qu'ils savent parler, ces gens-là. Il semblerait. Bon, bah, en tout cas, ils savent casser des vitres. Oh là là, putain, regardez-moi ça, ces espèces d'anarchistes de gauche voilà, qui pourraient espérer avoir le même droit que les blancs alors que nous leur sommes supérieurs en tout point. J'avoue, c'est comme la pureté. Ah là, c'est ça, bah attends, et si on dit le blanc monsieur propre ou le blanc le chat, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas le blanc le nègre. Ah, hein. Oh, on est vraiment méchants. Réaliste. Ouais, oh. Bon, en reprenant notre sérieux, c'est vrai, c'est pas drôle la condition de ces babouins, de ces humains, pardon. Ouais, il y a trois blindés. Et puis mes divisions qui galèrent à venir à Londres, quoi. Et puis ma TC, c'est aussi ma TC qui me bloque tout, quoi. C'est incroyable, les navaux japonais, quoi. Putain, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment dégueulasse. Bon, d'accord, ça y est, il a rétrocédé tout à l'italien, ok. Donc il va falloir que je bloque. Et ouais, je foncerai sur Sarri. Oh mais à Lincoln, il y a trop qui arrive, mais je sais pas d'où ça sort toute cette infanterie, c'est vraiment inquiétant. Hein. Là, je pense que l'Angleterre, ça va être très très dur à reprendre. Hein. 18 divisions à Lincoln. Il y a 28 escadrilles au-dessus de Norwich. Putain, mais que du chasseur et tout, quoi. C'est du Japon? Ouais, il y a du Japon, il y a de l'italien, et il y a beaucoup beaucoup de Japon. Hein. Honnêtement, il y a beaucoup d'Allemands, certes, mais ouais, y a beaucoup c'est de Japon. Le Japonais qui leur sauve les miches, quoi. Bah en tant qu'aviation, oui, là le japonais il fait le boulot. Hein. Oh, il a redébarqué encore deux divisions de tanks avec Guderian, putain, mais d'où il sort tout ça? Mais écoute, c'est Von Rundstedt qui tape quoi.
Putain, mais d'où il sort tout ça? Il a 5 tanks en Angleterre! Putain! Désastre à Lincoln. Je t'envoie des chasseurs, là. Ouais, ça, de la façon, là, c'est voué à l'échec, l'Angleterre. Hein. C'était une bonne... On avait une bonne... Je te les envoie ou pas? Non, non, garde-les. Ça sert à rien. Oh là là, je tente, mais je me passe pas, quoi. C'est incroyable comme je me fracasse contre l'Allemagne. Oh, oh là là. Je me fracasse, mais vraiment, c'est l'image, en fait. J'arrive, je me fais défoncer. Pourtant, il est équipé en tant que 39, le Canadien. Oh, et là, mais tout ce qu'il a ramené en Angleterre, mais c'est quoi? J'avais sectionné tout le truc, j'étais en patrouille et tout à chaque fois, et ça n'a pas passé. La vipère rentre chez elle. Elle aura tenté. Ouais, elle en est mal engagée. Moi qui étais confiant au début de la session quand c'est passé. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Le nombre de trucs, de diffs qu'ils ont, c'est impressionnant. Ah oui, je suis à 5 km des TP. 5 km. Allez les Anglais, tirez. Putain, tirez, oui. Oui, à 14 km maintenant. Ils sont évadés, mais c'est bon. J'ai mes CA qui tirent leur torpille. Allez, ouais, un TP de pété, allemand. Et il était chargé celui-là. Certainement. Bah parce qu'en fait je regarde les stats, il vient de se prendre 13 000 pertes d'un coup. Donc ça, probablement il y a une dive à la poubelle. Allez, encore un transport qui tombe. Et deux TP de pété. Les deux étaient chargés. Excellent. Espérons que ce soit des tanks. Ouais mais c'était deux divisions allemandes. Et ça mine de rien, les Allemands c'est toujours bien quand ça tombe. Et en attendant, je suis en train de péter toute la flotte italienne. Ouais, j'ai pété tous les TP italiens et tous les bébés italiens qui débarquaient devant Alger. Maigre victoire, mais... Putain, mes porte-avions sont en train de faire un carnage. Honnêtement, là... J'ai eu mon coup de chance, mon coup à passer. Bah, il est pas passé. Du coup, nique sa mère. Il n'y a qu'à Londres où j'ai un semblant d'organisation. Sinon, après les Gringos, ils sont en train d'essayer de se battre. Ouais, bah, je vais me faire encercler à Londres. 21 dives. Et je vais en perdre. Et je vais en perdre 16 qui se redéploient à Douvres. À moins que les Canadiens arrivent avant pour sauver le cul de mes dives. 16 000 Italiens à la poubelle. 16 000 marins italiens. Ouais. Il n'y a plus de faute italienne. Hein. Putain, 71 destroyers. J'ai la division Tough Hombres. Apparemment, c'est des vétérans du Mexique. Waouh. Que fait-on avec ces choses? Là, ça rigole plus. Hein. Victor à English Channel. Je sais pas ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné quand même. Ouais, il y a des Américains qui sont en train de se faire ouvrir. Bah merci. Je vois que je peux te laisser des hommes en toute confiance. Ta gueule. Tais-toi. Arrête là. J'ai perdu l'Indianapolis. Ah bah j'ai croisé les TP que tu me disais, Unstar. Par contre je suis à 195 km. Donc c'est pas possible de les toucher. Ouais mais les si tu continues à les suivre, tu peux éventuellement peut-être les toucher. J'aurais dû sortir ma flotte avant. J'ai été con, j'ai complètement zappé. Parce que moi en tant que russe, sortir ma flotte, haha, lol, je ris. Putain, mais tous les avions qui volent. T'as vu ça? J'ai sauvé ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, Mas, tu te démerdes, gros connard. Oui, bah ça va être surtout à moi de briller. Désastre à Portsmouth. Ouh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Oh bah c'est bon, désastre à Londres, c'est fini. Au moins la semaine prochaine, j'aurai le cœur léger. J'aurais tenté. Oui, avec juste 500 000 morts sur la conscience, ceux qui sont morts à Londres. Je veux essayer dans la foulée de récupérer Reykjavik, comme ça on wipe 3 divs, on est content. Ouais, bon, vu ce qu'ils m'ont mis à Londres, ils sont full orc maintenant, Reykjavik, c'est fini. Hein. Et pourtant, par contre, j'en coule du convoi japonais. Mais bon, au moins dis-toi que tes 500 000 morts ont permis à l'Axe de cramer à peu près, à mon avis, 25 000 de pétrole. Tâchez de voir les consolations mignon. Là où on peut, vous savez. C'est mignon d'entendre ça comme ça. C'est con, j'aurais pu faire mal. Non. On t'a dit, t'es là pour faire perdre du pétrole, ok? Ah, les intercepteurs norvégiens ont pété du navo italien. Alors, actuellement sur le front central, je suis en défense à 306 divisions. Donc ça veut 306 dire... 306 sur le front central, ouais. Ouais, sur le front central. Donc normalement, là dans le sud, actuellement, je suis à 36 divisions. Et il y en a à peu près une cinquantaine qui sont en train d'être redéployées. Donc je devrais réussir à défendre avec une centaine de divisions et environ une trentaine... Une cinquantaine, soixante, divisions aériennes. Parfait. Depuis Kutaisi, je vais pouvoir avoir une portée, mais alors excellente pour taper ces enculés. Et les Brésiliens, j'ai véritablement affaibli mon centre blindé. Hein. Il y a un casse brésilien à Hong Kong, je vais le reprendre. Tu les mets où? Mais je vais les mettre à Singapour, ok? Ouais, vas-y. Les premiers tanks qui vont arriver, ils vont arriver le 6 octobre. 41. Parfait.
Parfait, bah justement, c'est exactement ce que j'avais prévu. Donc, vous les déposez directement sur la côte est et vous les tenez prêts à embarquer. Et eux, véritablement, il faut que ce soit votre fer de lance. Parce que là, actuellement, si vous vous faites ouvrir, c'est uniquement à cause de ça. D'ailleurs, l'anglais, maintenant, dès que je serai dans les alliés, moi, l'anglais, la première chose que je lui dirai, c'est de basculer en mobilité. Bah, de toute façon, hein, moi, j'ai fait des tests, l'anglais, en défense, en standard, comme ça, en doctrine de tranchée, c'est une catastrophe. Il prend un malus monstrueux, face à un italien, alors que l'armée italienne est censée être moins forte que l'infanterie anglaise, il s'ouvre. Ce qu'il faudrait, éventuellement, oui, dès qu'on peut, c'est essayer de reprendre Reykjavik. Et en fait, Reykjavik sera une bonne base aussi pour éventuellement reprendre l'Irlande. Si on arrive, en fait, ce qu'il faudrait, c'est reprendre la Norvège, reprendre l'Islande. Ensuite, faire des petits débarquements, par exemple, sur Torshavn, Lervik. Putain, mais qui c'est qui fait sortir les avions, là? L'IA arrête pas de toucher aux avions. Elle renvoie des avions à Hong Kong. Attends, parce qu'il y a des trucs, ouais, j'ai l'impression que l'IA prend vraiment beaucoup le contrôle. Les deux flottes anglaises qui étaient au milieu de l'Atlantique, eh ben, elles sont pas en rebase, tu te dépêches, connard. Toi aussi, je t'ai demandé de rebase à un port, à Halifax, pas de masturber les boules. Oh putain, quand je vois les facs, 39 divisions à Iasi, 33 à Chelm, 42 à Suvalski, 48 à Klaipeda, 32 en face de Yerevan, 19 à Tabriz, 11 à Rats. Ouais, pareil pour les putains de Canadiens. Ah ouais, c'est moi qui l'a fait bouger, faut la faire avancer à Brazzaville. Seulement à Brazzaville, mais le problème c'est que les Canadiens bougent encore, voilà. Cette attente est intolérable, ça me... Oh. Bon, ça va, au moins il y a de la race putisa sur le centre. Ça c'est bien, un mois de juin où il pleut, ça fait plaisir. Oh parfait, j'ai mes nouveaux tacs. 1000 de portée. Ça va faire du bien ça. Voilà, ah bah du coup je vais avoir la portée sur toute la Perse. Oh super, alors là. Non mais je les étais en gros de support le temps de les faire fuir. Par contre, ils ont pas assez de ressources pour financer leurs deux alliés anglais. Regardez. Très bien, on va pas s'en plaindre. Non, mais ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'ils vont pas nous sortir des grosses dives. Bah tant mieux. Il y a plein de trucs qu'il a pas l'anglais là. Il a juste du pétrole et du... Il a juste du... Non, pas du pétrole justement. Il a juste... Ouais, c'est vrai, il a pas de matériel. Il a pas de matériaux rares, il a juste de l'acier et du charbon. Hein. Ah, ça y est. Oh putain de merde. Tiens, pendant qu'on y est, Viper, on va donner nos ordres aussi et vérifier tout ce bordel qu'on a là. Merci. Ouais. Par exemple, déjà, la cavalerie, l'acier et du charbon, hein. Ah, ça y est. Oh putain de merde! Elle commence. Oh putain, ça c'est pour moi. Allez, hop là. Alors, attendez une seconde. Tu fasses la manip pour rentrer chez les alliés d'ailleurs. Oui. Bah justement, ça va nous donner l'occasion. Ok. De reprendre l'anglais. Ah bah, ils ont dû avoir du monde, hein. Il y a du monde aussi dans le Caucase. Ouais. Bakou, ça y est, je suis sous attaque. J'ai pas de ravito, putain. J'avais fait des stocks, mais la mobilisation générale, ça m'a tout sucé. C'est alors que Youdstar dit que la lumière soit... Qu'est-ce qui lui arrive? Et la lumière fut... Et voilà, je suis, ça y est, c'est bon, vous voyez, la guerre vient d'être lancée, et je suis dans les alliés, donc du coup, on a toute la vision, enfin, depuis le temps, hein, ils ont mis le temps. Bon, alors, attendez, j'ai plein de choses à faire, voilà, donc là, c'est bon. Alors, toi, tu t'occuperas de la suite militaire et contrôle à la fin. Ah, merde, j'avais oublié un truc, j'ai perdu mes V1. Ouais, j'ai bien l'impression que l'IA ne bouge plus. Ah ben là, on est en pause, qu'est-ce que je suis con. Ouais, attendez, oh putain, j'ai 15% de dissent. Oh la vache. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule attaque sur Bakou. Alors, on va commencer à désorganiser un peu le merdier. Alors, voyons voir, ça avance. Tranquille, ils sont en train de tout faire avancer, tous les packs d'un seul coup. Ça va être parfait, ça. Je suis en train de commencer à désorganiser le merdier. Oh putain, les gars, vous allez rigoler, les gars. L'anglais avait lancé l'offensive fleet. J'assume ton contrôle militaire, Mas. J'assume le tien. Bon, c'est bon, il n'y a pas de problème avec votre AI. Ah non, ça y est, moi, j'ai plus de problème, là. Parfait. Et tout ça. Je suis en train de désorganiser tout le monde avec mes tacs, là j'ai 12 divisions de tacs. Au moins le fait qu'ils aient fait la Luftwaffe, ce qui est bien, c'est que ça m'a pas laissé une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ah, ils l'ont fait, ça va, c'est ouais, cool. Ouais, ouais, ouais.